Les gens à regarder notre châtiment maintenant? C'est une nouvelle sorte d'humiliation. Je ne venais pas regarder. Je t'ai vu par hasard. Ce que tu as vu, c'est un homme qui avait racheté sa liberté, mais qu'on garde comme esclave. On a le droit de faire ça? Mon maître m'a fait savoir le prix de ma liberté et j'ai économisé cette somme. Maintenant que je lui ai donné les drachmes, il prétend n'avoir jamais conclu ce marché. C'est injuste. Je vais aller lui parler. C'est vrai? Tu ferais ça? Je m'appelle Phaidon. Je ne sais pas qui tu es, mais ce sont sûrement les dieux qui t'envoient. Ils ont dû entendre mes prières. Si c'est l'aide des dieux que tu espères, je peux m'en aller. Non, je t'en prie. Quelqu'un ou quelque chose t'a envoyé à moi. Oui, mes deux pieds. Dieu ou pas, je te remercie. Mon maître devrait être près de la mine d'argent, probablement à surveiller d'autres esclaves. Tu as toujours été esclave? Depuis mon enfance. Je suis né au mauvais endroit, dans la mauvaise famille. On m'a vendu plus d'une fois. Et tu as désormais assez d'argent pour acheter ta liberté? C'est surtout que j'ai eu un maître prêt à m'accorder un tel marché. J'aurais dû me douter qu'il mentait. C'était mon seul espoir et il s'est envolé. Tu te fais souvent fouetter comme ça? Plus que tu ne l'imagines. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a toujours une raison. Travail trop lent, un regard soi-disant de travers, demander de l'eau. Parfois, on nous fouette pour le plaisir. Je ne sais pas si je tiendrai encore longtemps. Je vais parler à ton maître, et il va m'écouter. Écouter, ce n'est pas vraiment son genre. Avec moi, il le sera. Tu as des muscles, toi. Si tu cherches du travail, j'ai besoin de monde pour tenir les esclaves. Je suis déjà en train de travailler. Je dois te parler de Phaidon, l'un de tes esclaves. Comme si je connaissais leur nom. Tu me fais perdre mon temps. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Je n'aime pas trop qu'on vienne pleurnicher. Alors parle! Vite! Un homme t'a payé pour retrouver sa liberté. Il aimerait que tu tiennes ta promesse. Ça ne me rappelle rien. Mais je suis d'humeur généreuse. Fais quelque chose pour moi, et j'accorderai à ce Phaidon sa liberté. Quoi donc? J'ai besoin qu'on aille tuer une femme. Ça ne facilitera pas la vie de sa famille, mais le culte de Cosmos l'exige. Tu fais partie de ce culte? Si c'est vrai, tu dois savoir qui je suis. Tu es plus intelligente qu'on ne le dit, porteuse d'aigle. Donne-moi une raison de ne pas te tuer sur place. Tu pourrais. Mais si je meurs, ton ami restera un esclave. Et je suis le seul à savoir où sont ses documents. Pourquoi cette femme doit-elle mourir? Oh pardon, j'oubliais que tu avais besoin de le savoir. Oh, mais en fait, non. Si j'en crois Phaidon, tu reviens souvent sur ta parole. Il vaudrait mieux que tu ne recommences pas. Regarde. Je ne manque pas d'esclaves. Je peux me passer de l'un d'eux en échange de la mort de cette femme. D'habitude, les membres du culte gardent le secret. Et alors? Tu ne peux rien y faire si tu veux aider... quel que soit son nom. Et d'ailleurs, ça pimente un peu la situation, tu ne trouves pas? Je vais m'en aller. Tue cette femme ou non, c'est à toi de décider. Mais c'est le seul moyen de libérer ton ami esclave. La liberté de l'un implique la chute de l'autre. Quelle chance avions-nous de nous rencontrer ici? Je n'appellerais pas ça de la chance. Ah! Alors tu préfères que nous parlions plutôt du sort? Non, pas vraiment. Tant mieux, car j'ai autre chose en tête.
l'attique est immense, mais le sort ne cesse de nous réunir. Ah, tu veux ramener le débat à l'importance du sort, mais je ne te laisserai pas éluder mes questions. Alors qu'as-tu entendu au juste ? Oh, mais tout ! Tu as un choix très difficile à faire. Combien vaut la liberté d'un homme ? Crois-tu qu'une vie ait plus de valeur qu'une autre ? Il n'existe aucune différence entre les gens. Nous prenons tous notre premier souffle de la même manière. Mais ton souffle est-il égal au mien ? Ne dirais-tu pas que le souffle de Périclès apporte plus au monde que celui d'un condamné ? Peu importe les gens que tu compares, la réponse est la même. Donc, un voleur vaut un prêtre, un homme politique un enfant ? C'est un point de vue intéressant. Je crois que j'en ai assez dit. Ah, tu as raison. Tu as affaire, je sais, et ton esprit est épuisé. Oui, c'est à peu près ça. Alors va. Ça a été un honneur d'avoir ces discussions avec toi. Pour moi aussi, Socrate. Si un paysan vole aujourd'hui un fruit et donne demain une part de sa récolte au pauvre, qui va dire s'il est bon ou mauvais, hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Je ne vais pas tuer quelqu'un pour que tu libères Phaidon alors qu'il devrait déjà être libre. D'accord. Je trouverai quelqu'un d'autre pour la tuer, et Phaidon restera mon esclave. Il sera bien récompensé pour m'avoir fait perdre autant de temps. Te voilà.
Nul ne peut échapper aux yeux de Cosmos. Se montrer très vigilant. Je vous trouverai tous.